Bonjour et bienvenue à la chaîne Nagura. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer les principales différences entre les modèles Enran à droite et les modèles Engo à gauche. Nous allons nous centrer spécialement sur les bases où il y a les principales différences de table, car les plans supérieurs sont partagés dans les deux collections. Nous allons donc commencer par les modèles Enran. Cette table est équipée d'une base ou socle avec des dimensions assez généreuses. Elle est conçue pour apporter une grande stabilité, même pour des patients assez corpulents, sportifs d'élite ou joueurs de basket. C'est la table idéale. En plus, elle est équipée d'une série de solutions techniques qui la font spécialement robuste. Ces piliers en aluminium, ces vagues autolubrifiantes qui éliminent les bruits, lui apportent un surcroît de stabilité. Un des éléments clés de la table est les cadres de commande périphériques. Ces cadres se composent de deux barres, une à chaque latéral, qui s'activent avec les pieds en faisant descendre ou monter la table. Ensuite, au bout de la table, à la partie têtière et à la partie pied, il y a deux boutons pour la faire monter et descendre respectivement. Une autre caractéristique du modèle Enran sont ces quatre roulettes escamotables. Elles s'activent au moyen de deux leviers placés au-dessus de la table. Il est très facile de la déplacer car les roulettes tournent de 360 degrés. Il s'agit d'une table qui peut se déplacer sans problème dans un centre de grande dimension. Un autre trait distinctif de cette vase soulevée est qu'elle était conçue pour pouvoir travailler assis sur un tabouret. Nous pouvons donc nous y approcher et la base étoile du tabouret ne rentre pas en collision avec les socles. Ça les fait spécialement confortables pour certains types de traitements, cette proximité est un avantage. Ce sont donc en général les traits distinctifs du modèle Enran. En ce qui concerne les modèles Engo, il s'agit d'une table qui est née pour donner des solutions plus adaptées au travail de l'ostéopathe. Une base plus étroite pour pouvoir nous approcher aux patients sans heurter les socles. Une hauteur de travail plus basse, elle peut descendre 10 cm de plus que le modèle Enran, jusqu'à 45 cm. Les cadres de commande est assez intuitif. Les professionnels peuvent l'activer en même temps qu'il fait les traitements aux patients. Sans lever les pieds, au niveau du sol, vous trouverez les points d'activation pour la faire monter et descendre très facilement. Au bout de la table, les mécanismes qui contrôlent la hauteur sont similaires à celui de la Enran, simplement les designs changent légèrement. En principe, Engo est un modèle de table qui n'est pas conçu pour être déplacé d'un endroit à l'autre. Elle peut se déplacer dans la même chambre et sur des courtes distances car elle est équipée de deux roulettes d'une seule direction et se déplace comme un chariot. Il faut la soulever d'un côté et la pousser pour la déplacer. Et voici les principales différences entre les modèles Enran, une table à haute stabilité avec un cadre de commande unique et avec des roulettes qui tournent de 360 degrés en permettant une grande manœuvrabilité. En plus, un autre détail qui distingue Enran de Engo est la série de la table qui a une résistance à l'usure de 300 000 cycles, le double de ce qui est standard au marché. Il s'agit de la marque allemande Spradling du secteur maritime et haut de gamme. Sur la Engo, la série est un peu plus simple et plus standard, résistante à 150 000 cycles. Une table à grande stabilité avec une base plus large, une table plus étroite conçue pour les ostéos et qui descend jusqu'à 45 cm. Nous espérons que vous trouverez cette vidéo utile. On se retrouve dans la prochaine. Merci!